Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Clash of Clans, on se retrouve pour une nouvelle édition des villages les plus stylés. Celle-ci sera particulière puisqu'il s'agit de base 3D. Je suis toujours avec mon acolyte. Nicolas, coucou les amis! Vous connaissez le concept, on va vous présenter 3 bases chacun à tour de rôle, c'est-à-dire que je ne connais pas ces bases et lui ne connaît pas les miennes, et vous allez devoir voter qui de nous deux aura les meilleures bases. Allez, c'est parti. Ok, bon là je te montre le premier village 3D. Allez. C'est des genres de marches. Ah, plutôt stylé. C'est stylé. Avec les pièges à ressort, ils sont hyper bien Moi c'est... sélectionnés. Voilà, exactement, c'est surtout les pièges à ressort que je trouve Non, stylés. franchement, pas mal. Archi bien On va calé. voir ce que je peux proposer. On passe au suivant. J'ai hâte. Ok, deuxième village, c'est parti. Perso, je le trouve vraiment stylé. Dis-moi ce que t'en penses. L'effet 3D, il L'effet est fou. 3D est meilleur que sur le mien, Franchement. mais ce que ça représente, c'est pas fou, on dirait une étagère, gros. Non, tu peux pas dire ça. Bah moi je trouve. Bon, en vrai, l'architecture est pas ouf, mais ce qui compte, c'est l'effet 3D. On verra ce que vous en pensez, votez. Ok, bon là je vais te montrer ma deuxième cartouche. Allez, deuxième round. Moi je la trouve super stylée, surtout la base surélevée, ça fait bien 3D. Pas mal, j'avoue, l'hôtel de ville un peu surélevé, Pas ça fait de mal. l'effet. Après, bon, c'est une maison en V, c'est pas un truc de malade non plus. Bon, de toute façon, ils vont trancher, on passe à la On suivante. verra. Bon, mon deuxième village, je te le dis, je sens que les Montre-moi abonnés vont le ça. préférer. Tu vois ton hôtel de ville, il y avait une petite surélévation. Ouais. Bah, moi, là, il y a une double surélévation. Ça, il est stylé. Il est vraiment stylé. En vrai, j'aime bien. C'est surtout la concentration de pièges. Ça fait bien la 3D. Ouais, ça fait Enfin, ressortir la 3D. ok, pour le coup. Bon, pour ce round. Là, franchement, vous êtes Bon. pas Je aveugle. dirais pas qu'il a gagné, mais t'es chaud. Moi, en tout cas, mon troisième village, il est vraiment clean, donc soyez prêts. On verra. Bon, là, c'est le dernier round. J'espère que t'as un round à la Bah, hauteur. j'ai choisi le meilleur pour la fin. Ah ouais. Canapé, télé. En vrai, je vais pas te mentir, je l'avais déjà vu circuler sur Instagram parce qu'il est connu ce village, Ouais. mais il est vraiment, vraiment stylé. Il est super stylé. Et la Canapé 3D du télé. canapé est super bien faite. Et pareil pour la télé. On va voir ce que je vais proposer, mais La ça va être pression. T'as ça, la la pression. pression. J'ai la pression. Bon, dernier village, c'est un peu le bouquet final. Je l'ai pas trouvé avec les bâtiments, mais on voit justement, on voit encore mieux l'architecture. En vrai, la structure, elle est super Elle belle. est chambée. Mais sans mentir, sans les bâtiments, ça enlève un truc. Ouah, ça Il aurait va. pu être super lourd s'il y avait tous les bâtiments. C'est vrai. Bon, Mais la d'ailleurs, à structure. ce propos, les amis, je vais vous mettre les liens de tous les villages dans la description, donc vous pourrez les recopier si vous avez un HDV similaire. Bon, du coup, celui-ci n'y sera pas parce que je ne l'ai pas trouvé avec les bâtiments, mais les autres, vous pourrez les recopier. Et puis, bah, on va leur proposer de voter. Du coup, hein, je vais vous afficher tous les villages de chaque côté, les 3 Nico, les 3 miens, et puis vous allez pouvoir voter soit Nico, soit moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Ciao!